Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. Alors, c'est toujours un bonheur. Naïb Sabino, à chaque fois qu'actualité, quoi, il y a rassuré, quoi, il y a 2 heures, 2 heures 30 minutes, les temps à Bongama, Naïb, pour que tout cela n'a bien, ma Limboka. Alors, l'actualité, ce soir, c'est vrai que depuis tôt le matin, les journalistes ont alerté, mais au comment moi, Ndongo, n'a pourquoi, selon plusieurs choses, en tout cas, plusieurs dénonciations. Il pourrait y avoir, ou soit il y aurait un complot en gestation contre les présidents et ensemble pour la République. Nakombo et à Moïse Katumbi, c'est vrai, lors il y a interview à Souka Mokonzambo, qui est à Loa qui a borderline, mais du moins il y a mon position n'a été et bino tout boyebi la position au porte-parole à Moïse Katumbi en la personne de Olivier Kamitatou en rapport avec Makambo à cohésion nationale selon les porte-parole de Moïse Katumbi et Gossimbate. Donc Moïse Katumbi n'est pas preneur pour la cohésion nationale pour un dialogue. Alors tôt ce matin aujourd'hui les médias ont alerté. Je vais vous balancer ce reportage avant la banda. Et reportage, je pense, il y a 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, Bolandango, pour que tout découvre ensemble de quoi il s'agit. En bref, c'est ça que Moïse Katumbi a pris l'initiative. Bien sûr, Bouébi, si Kaya Vandaria, Vandara Penda, n'a cité, c'est vrai, ça n'a aucun tanga, mais n'a fin fond. Na bambo kapena na village. Alors, bato baza pembeni na ye, bato ya kusungaka. Et comme d'habitude, bébé na mboka na biso, bopito ya malonga ezate. Et Moïse Katumbi a zwa initiative à otonga moi, bopito na okatanga. Et puis, boyebi, car na okatanga te, mais également dans toute l'étendue de la République. Na, je pense que c'était à Kikwit, ou à Pessa Kipe, matériel. Bisike belé. Alors, Moïse Katumbi a tonga moi, bopito. Et bateau au bazar na Pweto, Bwebi Pweto, c'est que Zali na Okatanga Kuna, bateau au bazar na Pweto, en tout cas vraiment la frontière, bateau bazar na Pweto, population en a Bwebi, bino tout vous informer, Moutonio Soebi, la situation sociale à peuple congolais, bazar pena na ma coquité. Et Moïse Katumbi a joué les canisabi, tellement beau plutôt ya malonga, et zama moussika na bango, bazar na moi piste na bango moko Bwewana. Et ça depuis Kala, en tout cas ça date de très longtemps. Mais comment c'est là où ils ont sous en plein usage et Moïse Katumbi a pris l'initiative il y a que Bongisa piste on a pour permettre Bango ça là va évacuer à Bango na centre Lubumbashi pour que bas aura bas soit ce qui babeli parce que quoi assister tes bas bas au coup na mieux naé les temps bas ma cam sous vendre très bien ben infrastructure sous tellement piste mo reza pe mena bongo lobi ki a juli kanisi a réhabilitango et Moïse Katumbi a saisi en bonne due forme l'aviation civile selon Mibeko parce que ce n'est même pas une première bon yo ka reportage yo non chez Labino et puis nous allons après analyser mais on a flashé Bino et de ces faits Moïse Katumbi a juli kanisi wana selon ses reportages Batouana, Batounaé, Bazaki, na terrain, certainement pour essayer un peu de voir comment est-ce faire des études, ainsi de suite, le pouvoir en place, les régimes, Tshisekedi, Aya, Kangi, Bango, et selon plusieurs sources, il pourrait y avoir déjà un complot en gestation pour que Balati Sakatoumi, Boyebi, Namboko, et Komaka, Makambo, Sûreté, Makambo, Sécurité, et Komaka, Bongo. Donc tout tourne autour, il y a Makambo, quand tu es un opposant, tout tourne, ma cambouna se retourne autour de la sûreté, à sécurité. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde a reporté à Joana et puis tout le monde a pour que tout solo là. Depuis des années qu'on ne compte plus, le président Moïse Katumbi a toujours été au chevet des populations démunies à travers le pays. L'homme fait face aujourd'hui à une dangereuse cabale que l'on appelle complot contre la République pendant qu'il est en train de construire un hôpital à Moulondé dans le territoire de Pweto. Pourquoi se lever soudain de bouclier puisqu'il y a entrepris de réhabiliter une petite piste d'avion à proximité dont le but essentiel d'évacuer les malades dont la prise en charge le nécessiterait, l'état fort détérioré des routes ne pouvant permettre cet exercice. Même les pauvres travailleurs commis à la tâche ont tout simplement été arrêtés. Mais en parlant des pistes, l'opinion se rappelle de nombreux autres dont il a été l'auteur.
Nous citons la piste de Kyubo dans le territoire de Mitwaba, la piste de Kasenga, la piste de Pueto, la piste de Kachobwe et même dans le Maniema, la piste de Kibombo. Cela n'a jamais dérangé personne jusqu'à ce jour. À Moulondé, l'on parle d'une infrastructure qui devrait aider au débarquement de certaines forces hostiles à la République. Se rappelle-t-on que la piste de Kachobwe est juste à 1 km de la Zambie, celle de Pueto carrément à la frontière avec la Zambie, même proximité que toutes les autres pistes précitées. Le problème est donc bien ailleurs, à y voir de près. Pourquoi ainsi décourager les bonnes volontés qui, par leurs propres moyens, interviennent là où l'État est absent? Un dossier à suivre. Alors, Bissot tout au dessus Kolanda, reportage à Bandouna Bissot, va expliquer les dossiers en question. Alors, abonnez-vous très massivement, Neb Sabino. Toutes les exclusivités pour Bandozo Angokar en la politique à Congo à télévision, aucune actualité pour Bandoko échappé, mais surtout ils ont un bon jeu, ils ont fait couler beaucoup d'encre de salive pour ratanter. Et bien nous, en retour, ce que nous vous demandons, c'est de continuer à partager nos liens, nos émissions, Nebozo Salango, et surtout à aimer ce que vous avez l'émission, finalement, j'aime, et abonne-toi. Notre seule sécurité, c'est ça. C'est-à-dire qu'abonne-toi et puis finis à j'aime. Mais mission n'y a pas de nombre de vues et à l'endemain, nombre de j'aime. Parfois, même, j'aime les cas, vraiment, et belé, et qu'au bas, la bise sur ma cassie. Alors, merci beaucoup, Nabino Nyoso, vous a branché. Merci pour cet amour, pour cette passion. Bonjour, Olanda. Alors, toi, qui n'est sans plus tarder, toi, analyser, n'a ma commis, toi, vous la évasivité, toi, vous avez le bâti, vous avez besoin de matière. Je vais vous prendre décret numéro 12/037 du 2 octobre 2012 fixant les normes de conception de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Alors, je vous ai déjà dit, ce qui est un reportage en Balobi, que ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi a bondi ça. Ma piste, ma tangi exemple, beaucoup on a quatre reportages. C'est-à-dire que Aza noviste, Aza moto a ça là en haut déjà. Alors pourquoi est-ce que y a Oyo et ça les problèmes? Est-ce que Moïse Katumbi n'a pas respecté? N'abissibilo déjà que Moïse Katumbi a saisi l'aviation civile. Je pense na régie, bah ça qu'il illustrerait bien le document. Maintenant comment est-ce que Moïse Katumbi a saisi l'aviation civile na Robanda Goudou non na wana pour que na tangela binongo document où Moïse Katumbi n'est pas saisir aviation civile bien plus ça comme on a écran na bino. Alors cette lettre, cette correspondance Isaac daté Lubumbashi 26 septembre 2024 à monsieur le directeur de l'autorité de l'aéronautique et de l'aviation civile Kinshasa Gombe, concerne demande de réhabilitation d'une piste d'atterrissage à Moulonde, groupement Canfois, territoire de Pueto, coordonnée à Pessi. Expéditeur Moïse Katumbi Tchapwe, 22 avenue Lofoy, commune de Lubumbashi. Voilà. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai entrepris la réhabilitation d'une vieille piste qui existait déjà dans les années 70 à Moulonde, dans le groupement à Canfois, territoire de Pueto. Pour votre information, il s'agit d'une vieille piste qui servira non seulement à désenclaver la région et ses villages environnants, mais également à faciliter l'évacuation des patients vers Lubumbashi. Suite à la construction d'un centre de santé à Moulonde, cette initiative est d'autant plus nécessaire en raison de l'état de dégradation avancée de la route desservant le territoire de Pueto. Je tiens également à préciser que cette piste sera gracieusement transférée à l'administration compétente, à savoir... Là, c'est une bonne précision. Je tiens également à préciser que cette piste sera gracieusement transférée à l'administration compétente, à savoir la régie des voies aériennes, conformément à ce que nous avons déjà réalisé par le passé pour Pueto, Kachobwe et Kilouba, ou soit Cuba.
je reste à votre entière, ou soit nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Veuillez croire, monsieur le directeur général, en l'assurance de ma franche collaboration. Moïse Katumbi dit ceci. Soit tu te sirissimis ça là, tu te zongisses là, piste, soit une sorte d'aérodrome, la régie des voies aériennes, parce que piste, on est à piste depuis Kala. Il y a l'État. Et ça, Moïse Katumbi a tongaté, mais a zako réhabilité, a zako remettre à mon État. Du moins, à pécis, information à saisir. Directeur général, il y a aviation civique, civile conformément. Il y a Mibeko, il y a Mboko Nabiso. Et nous avons dit que ceux qui sont sili, il y a un conseil de la mode de temps individu, il y a un groupe qui a ordre. Alors, aux gens qui sont dans la boucle, il y a RVA. Alors, où est le mal de Moïse Katumbi? Pour que nous autres, nous autres, je suis en train de confirmer rien. Mais en se basant, dans la dénonciation, dans l'alerte, dans les médias, en tout cas, on doit se le dire, on doit placer un mot. Normalement, parce que j'ai eu accès à ma Mikanda, c'est vrai, Mikanda, on peut dire qu'on circule, on a approfondi, on a été plus loin, on a tangi. Mais j'ai eu un décret, là, c'était la lettre, bien sûr, il y a Moïse Katumbi. Alors, le décret numéro 12-037 du 2 octobre 2012, fixant les normes de conception de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouvert à la circulation aérienne publique. Tokena Lombango, tu ressortais ma disposition. Tokena Lombango, ma concept. Tokena, je suis chapitre 2 des normes de conception et de construction d'aérodromes ouverts à la circulation publique. Alors, des normes de conception. Article 3. Tout projet de construction ou de modernisation. Tout projet de construction ou de modernisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est subordonné à l'élaboration préalable d'un plan directeur de développement des infrastructures conformément aux dispositions du présent décret et les règlements techniques et procédures d'application édictés par l'autorité de l'aviation civile. Alors, la conception et la construction de nouvelles installations aéroportuaires ainsi que toute modification d'installations existantes tiennent compte des éléments d'architecture ou d'infrastructure qui sont nécessaires à l'application optimale des mesures de sécurité et de sûreté selon l'aviation civile. Alors, tu veux qu'on est sous article 6, la construction de tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à une autorisation du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions après avis technique de l'autorité de l'aviation civile. Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières et techniques déterminées par arrêté du ministre ayant l'autorité civile dans ses attributions. Toute modification aux constructions est soumise aux conditions définies à l'alinéa 1er. Alors, les textes sont clairs. Moïse Katumbi a commencé par saisir l'aviation civile. L'aviation civile, vous dites, on est motoata à Makamoba aéroport, on a ainsi suite, infrastructure aéroportuaire. Et Moïse Katumbi a saisi. Je me pose la question. Est-ce n'aba autre chose à cause de l'information sur qui est? Est-ce le DG de l'aviation civile, Moutou Ayebisi, que non, Benabo et Sengelibo, qui nous a interpellé Moïse Katumbi? Ce qui sera bon, on allait voir un document. Mais on n'a pas vu un document. Tout le monde a un document, Moïse Katumbi a brandi, en bonne due forme, qu'il a saisi l'aviation civile. Allons dans l'hypothèse que Moïse Katumbi a fauté, c'est-à-dire que Moïse Katumbi n'a pas respecté la démarche. Mais je vais encore plus loin. Les textes autorisent même. Je pense loin sur l'aviation civile. Autorise même des aérodromes privés. La carte de la piste est privée, c'est à Montoyer, Moura, Sali, Aïe. Les textes, il y a aviation civile déjà autorisant. Mais au bout du Moïse Katumbi, il y a l'accident d'intention. Alors, qui est pour que servir la population. Et alors, nous sommes ici, il y a été notre gérant, au bâton, il y a été ma repère, on a beaucoup de RVA. Mais du moins, il a les soucis, il a ses soucis d'aider le peuple, d'aider la population.
Alors, si l'État, donc il y a une hypothèse que Moïse Katumbi a fauté, Moïse Katumbi est fautif, Moïse Katumbi n'a pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? On interpelle Moïse Katumbi très calmement pour dire que non, tiens, monsieur Moïse Katumbi, au trébuchet, ah ouais, la procédure exige Bouéna Boué. S'il s'agit de payer des amendes, on fout une amende. Et puis, à Zongi, à régulariser procédure, naïe, à régulariser démarche, naïe. C'est comme ça que ça se fait. Soit Moïse Niet ne le fait pas, ou soit ne le fait plus. Et moi, je vais me dire, oh, tu as dit, bah, vous m'avez comme que je circule, oh non, Alina Salabé, Alina Zongi Sabé, Alina Kindeboué. Pourquoi dans ces pays, Tolingi, tel que peuple, Azalane Sengo, Tolingi, tel que peuple a respiré, à chaque fois, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque minute, il n'y a que des dossiers. Et des dossiers qui ne font que mal au peuple congolais. Pas des dossiers aux autres, c'est mon peuple congolais. Mais des dossiers qui dérangent le peuple congolais. Imaginez-vous maintenant la souffrance. Il y a un déconnus, il y a mon nombre, je pense, le coin du pays en question. Pour tout. Nathan, on a bandé là, il y a mon nombre. Imaginez-vous maintenant, je suis quoi, pour le peuple, il y a mon nombre. Bon, comme ça, depuis tout ce temps, puisque on a bah, qui parle, et beba, l'État n'agit pas. Là, l'État ne voit pas. L'État ne voit pas la souffrance de ces gens. Mais l'État est venu pour voir le non-respect à procédure pour aider. N'est-ce pas qu'on dit la loi, les saluts du peuple et la loi suprême? Lui-même, le président l'avait dit, l'interview dans Souka, que lui, s'il s'agit de faire, si c'est quoi là, mais si c'est pour le salut du peuple, il va le faire. N'est-ce pas qu'on dit que le salut du peuple est la loi suprême? Et surtout que Moïse Katumbi est stupide, que ce n'est pas la première fois. Il a fait avec Akani Bakoumoua, hein? Il a fait avec Achoumoua, parmi les aérodromes à Bongi, ça surtout à Tatonga, Akani Kachoumoua, voilà, Pointo, Kachoumoua et Tubu. Moïse Katumbi a cité ces aérodromes. Pourquoi l'autre fois, ça n'a pas posé du tout un problème? Vous allez nous dire que Zaki sous Kabila, ben, vous allez respecter, t'es à Zaki, gouverneur, je ne sais pas, ben, vous pourriez tout dire. Mais du moins, le peuple constate que, bon, il y a un peuple, ça n'est pas déjà. Imaginez que maman, oh, Azobela, papa, Azobela, ben, si y'a que, ben, il y a que non, ben, il y a pas de bon, il y a un aérodrome au piste, on pourrait permettre à nous que nous avons souhait. Mais l'État boit. Vous pensez que vous n'allez avoir des investisseurs car ou à Libanda. Et c'est bon qu'il n'est pas chinois. Ce sont des chinois, des coréens, des mongwana, des mongwana, des mongwana, des respect. Il y a la procédure. Si c'était des expatriés, je ne pense pas que la procédure ensuite de suite. Maintenant, si un Congolais se porte garant, il est comme un investisseur. Il est comme un investisseur. Pourquoi ne pas dire que non? C'est vrai, Moïse Katumbi a violé. Donc, il y a une hypothèse, hein? C'est l'homme qui a violé. Parce que là, on va prendre position, je suis en train de voir le bien de cette population. Parce que Moïse Katumbi a très bien dit. Mais on pense à l'aérodrome, on a piste, on a. Mais ma boko ya herbe, on a raison, c'est la bango. Mais du moins, tout ça, là, nous, ça, là. Pour que le peuple a la sauvé. Pourquoi ne pas dire c'est vrai? Tout le monde y vendu ça dans moyen, mais faisons ceci, tout le monde s'est mis ça la boue. C'est comme ça. Si c'était un expatrié, je ne pense pas qu'il va faire ma télé le mieux, mais c'est parce que c'est Moïse Katumbi. C'est parce que c'est lui que vous appeliez Bordelaine. C'est vrai, hier vous aviez applaudi Moïse Katumbi. Hier c'est Moïse Katumbi qui était pratiquement le sauveur. Le Messie, aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est le diable. Chaque mandature, chaque 5 ans, et c'est bon, nous, quand on est là, on est là, on s'accrocher pour que, bon, tu es là, Moïse Katumbi, bah, croque en jambe. Bon, tu es là, peau de banane. Mandat passé. Et là, Moïse Katumbi bloque. Et comme ma cambo, il y a loi des pères et des mères. Et mandat, oh, tout le monde est banni ma cambo, il y a pueto. Et banni ma cambo, il y a piste. Si Moïse Katumbi a fauté, dans la démarche de la procédure. Bobé Nissan Moïse Katumbi. Et surtout dans la commune qui déjà déjà aviation civile. Déjà aviation civile à Robin. Non, Moïse Katumbi, on procède de la sorte.
C'est vrai que dans le passé, ceux qui ont procédé à Kiboye, mais du moins, Mibeko soit échangé. Parce que disposition à travers le décret, oh, il y a 2012. Soit Moïse Katumbi ou Alibo Soa Sayon avant 2012, bah, texte est à Kibonote. Mais du moins, on appelle. C'est un citoyen congolais. Il a le passeport congolais. Ancien candidat. Président de la République. 2023. Abiba Kipe, deuxième selon la CENI. Bobin ici, en tant que compatriote, nom de Kotomoni, de Fort Ringo Sala. Quand le président appelle Bandoka Diaspora, bonjour, on a Mboka Nabino pour que vous investissiez dans Mboka Nabino. Alors, je suis déjà au bazar, au bazar, pour entreprendre l'initiative pour que vous investissiez. Il y a des crocs en jambes, il y a des problèmes. Vous pensez que, Bato Azar, Libano, Azar, comment on a été? Bato Azar, comment on a, ils vont se dire quoi? Pourquoi la politique veut se mêler partout, même dans le social? Là où la politique a échoué, là où les discussions politiques ont échoué, là où les leaders politiques ont été battus à volonté politique, ils ont été battus à la polémique politique. Mais ça, les a comment on a été? Aussi longtemps, vous avez qu'on joue. Bataille, vous avez un parcours. Mais mon salaire, vous avez comment on a été, vous avez un parcours. Combien de routes, baby, hour? Fait l'état ben voir une nous c'est baby tous à la capitale l'état sur salani et quand il connaît à monique non tiens je peux faire quelque chose à mes propres frais pourquoi ceux qui a yébi démarche à suivre tes procédures tes voilà qui sait que non tiens tout ça la boue tout zone c'est tout ça la boue mais moi j'ai l'impression que non. C'est l'état gendarme, policier, suite. Non, ça n'a rien à voir. On comprend, on connaît, c'est parce qu'on maîtrise les joueurs et leurs jeux. On sait ce qui se passe. Je n'entrerai pas dans vos. Je n'entrerai pas en tout cas. Je n'entrerai pas dans ça. Moi, je vous dis, sur base des dénonciations que je suis en train de voir dans les médias. Ce que vous êtes en train de comploter, je ne sais pas. Mais du moins, les médias ont annoncé un complot à gestation contre Moïse Katumbi. Mais c'est pourquoi les îles je vous ai montré la vidéo, soit les reportages. Il y a un document qui circule. Moïse Katumbi a saisi les DG, les directeurs généraux de l'aviation civile. Les documents sont là. Ces pays, je pense que on doit changer beaucoup de choses. On doit changer beaucoup de choses. Il y a des Congolais de bonne volonté. Mais bah, comment qu'on va à aider parce que ça peut se retourner contre eux. Personne n'a dit qu'on ne doit pas respecter les lois du pays. Si vous vous pensez qu'on n'a pas respecté les lois du pays, que faire? La simple chose, interpeller la personne. L'État n'a pas que la mission de frapper, de sanctionner. Quand vous sanctionnez ce genre de projet, vous savez, ma victime, combien? Vous détruisez combien de vos compatriotes? Qui pourrait se faire soigner grâce à Pistewana? Vous savez, la conséquence, c'est l'impact des décisions de la communauté. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et quelle loi puis humanisme, on a mon tonabiso? Vous pensez que non, ne soit sali boye, de juillet, bino bon gage, c'est un bon juillet bat. Bon, vendu, on est bon sal, nous sommes bon sal, bon ka, on a bon sal à monter. N'aime bien le bon luka, et si canini, ton canaille, ton juillet, ton mouvakaye. Après, vous gagnez quoi? Après, quand vous faites ça, vous pensez que dollar est quitté? Vous pensez que l'Anzelé est ton ami? Vous pensez que la RDC devient l'Allemagne d'Afrique? Vous pensez? C'est une bêtise! Changeons la manière de faire les choses. Les erreurs du passé, c'est même ça. Après, vous avez dit, non, non, vos opposants, il faut contribuer dans des idées. Avec ça, comment contribuer? Un pouvoir qui ne sait même pas capitaliser les bonnes initiatives, les bonnes œuvres. Laissez Moïse Katumbi comme citoyen congolais qui pense à ses frères. Pourquoi pas l'État? Après quoi, léger écouter pour dire que non, si comme tu fais ça, on va t'accompagner en faisant ceci, cela. C'est ça l'État. Là, je suis dans l'hypothèse Oya Bango. Ou soit Oya Bino Batoza Kotala, Yakawana.
que Moïse Katumbi a violé les textes. La quelle hypothèse d'Abino? Pourquoi vouloir comploter maintenant? Pourquoi vouloir essayer un peu de maquiller ça autrement, de dire autre chose? On suit en train de dossier, l'affaire est claire. Pourquoi vouloir maquiller quelque chose d'autre? Aussi longtemps, l'affaire est claire. Les documents sont là. Le reportage est là. Pourquoi vouloir maquiller? Je me pose la question. Simplement interpeller la personne, dites que non. Ah, mon initiative nous a bien. Mais quelles sont les motivations? Ah, bien, bien. Parce que je reste à la disposition pour plus d'informations. Et la question que je me pose. Déjà, il y a aviation civile, il y a même des formats qui bateau au bazar, bateau au ndenge nous a connu qu'à l'isolo, ou bien bango va sala qui n'a ndenge la bango moko. Parce que si les DG de l'OVD, plutôt de l'aviation civile, on allait voir en tout cas la correspondance, on allait voir ses rapports. Tout cas, peuple en a mort, peuple en a souffrir. Peuple a besoin de français, de binoté, de discours, de binoté, de procédure, de binoté parce que. Et puis si elle est côté, durant plus de 60 ans. Depuis de son indépendance. Et puis si le peuple est l'autre côté, et le peuple n'a plus besoin de ça. Le peuple a besoin d'autres choses. Les apôtres n'ont pas bon âme. Les apôtres n'ont pas développement. Combien de temps on te perd? Il y a une dispute, une discussion, une polémique, une grosse stérile. Aussi longtemps, on doit au couffre. Pour les gens qui se rendent, on doit au couffre. Parce que le courant est athée. Je vous avais dit avant dernière émission, les katanaki, et je l'ai fait exprès sciemment dans le katanaki pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Et quand des gens prennent des initiatives pour soutenir le peuple, ceux qui viennent de Monique, ils ont respecté mes deux côtés. Alors, ça va aller. Vous interpellez, vous avez quoi là? Oui. Et non, toyoka, oh, toza koyoka. Toi, n'a mboka, oh, maïmi, n'a pas mbate. N'a ma kele, bini, boe, baro, luka, basa, la loko, la pense, pidak, basa, la mboka, obisote, to éviter ma kambouana. Mais on sait comment est-ce que ça se passe dans ces pays. Personne ne peut ignorer le modus operandi, yabatu, oh, toza en face, n'a bango. Mais le peuple n'oubliera jamais, ou soit n'oublierait jamais, ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est horrible. Je vois la peine de cette maman. Il y a Kokoana. Oh, a eu information que non. Ben, il y a pas bon sa piste. Il y a pour qu'elle permette que je vais soit approprié. Et si la moussous au lieu au koufa. J'imagine cette douleur. Il y a grand-mère. Wana. Cette douleur. Il y a papa. Il y a maman. Wana. Est-ce que nous, quand il s'agit de douleur, on a le colangai. Ou soit bon souké kabongo. On doit se dire des vérités en face. Si on ne peut pas continuer comme ça. Mais tout ce que Moïse Katumbi a subi comme préjudice, comme problème, comme attaque, comme complot contre ce régime, c'est depuis toujours. Parce que simplement, Moïse Katumbi ne veut pas soutenir des gens au peuple à Sandi, au peuple à Lingité. Ne veut pas appuyer des gens au Baza Bahini à peuple. Moïse Katumbi a dit Bango, on a 2000, c'était quand lors Makambu, il y a Union Sacrée. Oh. Allez, les Bango, cahier des charges. Je ne sais pas si je cahier des charges était à l'Ibisoté. Bisoté, il y a un bon bon tabac, bon bon goulou. Si vous battez à Bongo, Makambu, vous êtes comme Kaka. Oh, non, bon, bon. Oh, non, bon. Mon toi, Koso, là. Oh, non, au Koso, parce que bon, bon. Mon toi, Tambre. Oh, Tambre, pour bon, bon. Mon toi, Alia. Et comme vous, il y a pour bon, bon. Nous sommes comme les cas à on maîtrise mieux la stratégie. Hein? On maîtrise mieux la stratégie. Ne pensez pas que le peuple est dupe. Ne pensez pas que la population est dupe. La population ne voit pas. La population analyse et comprend ce qui se passe. Donc, pour moi, brèche, moi, parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons la brèche. Il y a le camo et il y a Bachelor, ce qui est Bachelor. Selon des informations, j'apprends que. Lutte contre l'immoralité, effectivement. Christian Bossé, le président, il a ses sacs. Vous voyez bien, il y a une image qui a présenté sous terre, c'est vrai que pour moi, il y avait l'illustration. Christian Bossé avait interdit la diffusion. Il y a un camo Bachelor, si c'est Bachelor, on a un canal plus. Christian Bossé.
interdit biloko ya ba bachelor. Alors le grand chauffeur déjà même goutou batwana avance pas de chez gana mboka. Normalement, on saisit les ses sacs. Bah l'existe spot d'abord sans pour autant saisir ses sacs. Et pourtant vous avez dans la mise en demeure. Puis le temps où Christian aussi m'a frappé na canal pop wana. Na je sais pas, je pourrais appeler ça série si c'est quoi là ces programmes là qui passent. Christian aussi m'a interdit en gros bah qu'il y a un conseil d'état. Et le conseil d'état par quelle magie, par quel miracle, le conseil d'état fait tomber la décision du CESAC qui est le conseiller numéro 1 de l'état, du gouvernement de la République dans Oetel Makambu. Il y a des médias, mais le CESAC veut bousiller plutôt le conseil d'état, neutralise, piétine la décision du CESAC. Pour quel intérêt? Qui ne sait pas que ces programmes là et là qu'on véhiculait antivaleur, Oza, contre Mors Nabiso, qui ne le sait pas. Mais tout nous laisser. Alors pourquoi se voiler? Donc, vous, le Conseil d'État, vous êtes d'accord pour que Mors lutte contre l'immoralité dans Mboka Nabiso, Oza, l'échec. Là, c'est le Conseil d'État. Et c'est pourquoi je suis en train de saluer les initiatives entreprises par les ministres d'État Constant Mutamba. J'ai vu État Général, je pense que on appelle affiche, bon, un visuel État Général, notamment dans l'organisation des États Généraux, soit les États Généraux de la Justice congolaise, et bandaille depuis le 29 août, et aussi le 13 novembre 2024. Thème, mes amis, pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est ça la maladie même à justice en Mboka. C'est ça que lutte contre l'immoralité. Mais c'est le Conseil d'État qui piétine la décision du CESAC. Et puis une structure étatique. Le Conseil d'État dit que Tali Bisoté. Bisoté n'y ba na wana soi ba obeba ba beba. Ba leki n'y soi ba obeba ba obeba. Ba nan kasi n'y soi ba obeba ba obeba. Ba niest n'y soi ba obeba ba obeba ba obeba ba obeba. Là, c'est le Conseil d'État. Ça fait très mal. Et c'est la même chose avec Makamo et Banako Loba. Ça veut dire que Makamo, c'est ça, Makamo, au moins, vraiment très anormal. Je pense que vous êtes en train de voir cette affiche, ce visuel, il y a État Général. Makamo, c'est le Manamboko, et c'est pourquoi plusieurs personnes appellent ce pays un pays très atypique. Parce que ce qui se passe, et les Kerabatouka Mayele, les gens ne comprennent pas. Les gens se disent que, oh tiens, est-ce que ça peut vraiment se faire comme ça dans un pays sérieux? Mais je ne sais pas, ça va me regarder du Congo. Je vous avais dit hier, ce qui s'est abattu, c'est la fierté pour que Bissolo Tomi Benga, Tomi Mapena, avec honneur, qui te soit Congolais, et ça m'a dit que tu as dit que paix à son âme. De la même chose, Bangobabunga pour l'honneur. Et ça, c'est un katamboka qui bouffe même l'argent de la République. Mais parce que vous avez honneur à peuple congolais, il y a un mot qui est. Vous avez un mot qui est. Et pour vous avez un mot qui détruire la République. Et tout le bas. Pour le bas, c'est tout ça, la bas, c'est bon. Tout le bas, c'est bon. On sent que ça, c'est là, dans la zone du nom, qui est dans ma cambouille, il y a peu tout. C'est clair, on sent. Je me pose la question. Si c'était une autre personne, même de l'Union Sacrée, je le crois très bien, Balinga va procéder dans le modèle Wanate. Toye Bani. C'est parce que c'est Moïse Katumbi. Mandal Boso Bouloukele Makambu. Deuxième Bouloukele. Je suis pas en train de prendre la défense de Moïse Katumbi. Mais je suis en train de faire la lecture, bien sûr. Il y a des événements. Comment est-ce que Motomoko na mandé to le ka bo conseiller makambu ya ba loi hona bo yakinango bo yesusu na manda o ko makambu susu. On se pose des questions. C'est de l'acharnement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que on se pose des questions, mille et une questions. On se dit le pays ne va pas se développer comme ça, et surtout que c'est votre dernier mandat. Le dernier mandat, le deuxième mandat, c'est un mandat de joie. Vous allez bien, peuple, parce que vous êtes coquende. Vous avez l'impression que vous êtes. Attends, le premier mandat, vous êtes un bébé, vous êtes un bébé. Vous avez l'impression que vous êtes malade.
na deuxième mandat. Mais ce n'est pas le cas avec ces pouvoirs. Ces pouvoirs continuent avec ma dérive naïe. Avec tout ce que nous pouvions reprocher et tout ce que nous avions reproché dans le pouvoir, on se pose des questions. Baza bato, baza jacaté, baza ba naïbité, comment expliquer? Et le peuple congolais, aïe bisigana et bisabino que, alors le mappé binotier, alors comme ça, non, vraiment, t'il en souka. Oui, je vous dis, apaisez-vous, soyez tranquille et calme. Beaucoup m'a dit en souka. Parce que beaucoup qu'elle soit peuple en l'imbabino pour que Bino soit dessus à peuple. Je vous ai rappelé et je vous rappelle toujours que Mobutu c'est ce que vous avez l'homme fort du Zaïr avait plus de 32 ans. Aujourd'hui, son corps n'est même pas ici au pays. La dynastie Kabila, quelle est la suite aujourd'hui? Quelle est la suite? Et au lieu de se corriger, Bino Batoué, Sima, Bonobi, qui est non, t'es bisous de ça, la connaît Kabango. Tu es la seule qui est bisous de toi, Bayaya. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire mieux. La République est Kotongama. Moto, Zara, qui a sali 1, Oaya, Komina 2, Oaya, Kuna, Komina 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme ça, la République. C'est comme ça, les pays. Les pays, ça te que Oaya, cela qui atteint 0. Bino le bossa la ta 1 2 0 5 T. Bino le bossa écoute tout. Moins 2. Malheureusement. Et c'est ce peuple en définitive qui souffre. Yem da pe sa abino ba voix. Yem da pon arabino. C'est lui le souverain primaire. Le souverain primaire a koma na ye. Zololo. A koma na ye. Moto ya ko. A koma na zeta minu. Nere bil kinto na yemba. A koma loko la. Pièce sa monnaie na bango bako ko vivre na sima kombo peuple mais peuple mo a souffrir peuple zo nyo kwa ma ikona ba guerre na bino politicienne interminable qui ne bénéficie pas qui ne profite pas au peuple congolais. Que gagne le peuple congolais dans tout ça si ce n'est pas les pleurs? Bon quand on ça là on a parce que j'apprends déjà que bakangi bato bazaki wana na terrain bakutaki wana na piste hein. Bon, gagnez nini, batouan de Bokani, bon gagnez nini. Si ce n'est pas qu'on est là, peuple, parce que Nabil n'est pas Bokani, bon so Bokani, bon, mon salé, mon salé, mon salé, on est au salé, ma, et beaucoup douté. Celui ma terre au Bokana, vous n'a qu'une chasse, et comment on va te ma titi, parce que Bokana après Botiki, bon, vous pensez le Kouna, et si ka piste on est allé, l'état au bête à l'issue sur l'an. Ce qu'on dit à Kayombo, si c'est fini, ça passe. Et c'est le peuple qui a empathie. Si vous voulez que le bateau devant la Kim, mais aussi Maté. Là, je vous dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous devons avoir un peuple haut. Tout ça, qu'on a une nation haut. Et ça, nous devons avoir ça tout. Tout ça, qu'on a haut. Il y a un abeté la vie du solo. Comment est-ce que les gens sont en train de pleurer. Non, mais tout le monde pleure. Tout le monde a son là, dans mon cas. Non, exacté, et l'autre exacté, et l'autre malon exacté. Nous avons exacté, nous n'avons pas eu bon aboué. Je continue de vous le dire, hein. Non, mais c'était dans mon parce que c'est ça la base, c'est ça que le peuple veut. Le peuple veut d'abord ça. Parce que Balobaka, la bouche affamée n'a point de matoï. Ce qu'on soit allié bien, vous allez un bon citoyen comment? Ce qu'on soit allié, vous allez un bon citoyen comment? Posez-vous des questions de ce genre, chers dirigeants. Vous voyagez au Bozo Kende Libanda. Pourquoi vous avez un modèle ou un athée? Complémenter, commettre en musique. Modèle pour ça comment on a sous d'autres chutes. T'as beau qu'on a coulé parce qu'on a bu au misou ou bien qu'on a qu'un normal les bousali. Mais ce boyer a beaucoup commencé à le roter. Et puis là on pourrait appeler ça quoi? Surtout le mot terme et comme on a grammé qui au caraba terme à bouena boue. Mais on doit appeler Nia ou na combo naie. On doit appeler Mbwa na combo naie. Nous allons être hypocrites jusqu'où? Tous allons hypocrites jusqu'où?
to continue na hypocrisie tu wapi. Aussi longtemps mboka zo kenete mboka za ko dégringoler ne balwana lopoto. Mboka za ko régresser. Mboka za ko dinda, ko zinda. Et biso ba imboka tozo tala, biso ba totangi mwanda mu tozo tala. Et c'est un peu le bac non tient. Ça ne peut pas continuer. Entre temps, ils sont en train de demander la cohésion nationale qui existe même. On les a cohésion nationale là-bas. Elle, je ne sais pas se dire elle. Cohésion nationale fabriquée par la bango des politiciens pour aller vivre contre le peuple congolais. Je vous dis et je martèle, cohésion nationale sera toujours dans Mboka. Si vous terminez la Niba, Diembela, Baïma comme la cohésion nationale. Et c'est des mêmes personnes qui parlent de la cohésion nationale. Et c'est des mêmes personnes aujourd'hui. Il pourrait y avoir un complot déjà en gestation contre Moïse Katumbi. Pour faire quoi? Pour faire quoi après? Vous allez gagner quoi? Bonjour qui Salomon Kalunda. Ah bon, ça qui n'est pas tant ça qui n'est. Vous pensez que vous avez gagné? Vous avez gagné quoi? Rien du tout. Rien de spécial, rien de particulier. Bon, tu vas monter ma vraie face dans Binondé. Et c'est Binondé pour qu'à Sony. Bon, comme Salomon, la Suisse était quoi? Quelle est la solution? Rien. Vous pensez arrêter prendre Moïse Katumbi? Quelle pourrait être la solution? Rien. Arrêter Fayulu. Arrêter Seth Kikuni. Arrêter Onyosu Boko Kanga. Bon, quand on a un journaliste, la solution c'est quoi? Arrêter Mike Mukeba. Il gagne sa la solution c'est quoi? Mais puis, vous avez un exemple, mon songolo. Vous avez dit Salomon Kalou, la solution c'est quoi? Vous avez Moïse Katoum, la solution c'est quoi? Vous avez Fayoum, la solution c'est quoi? Vous avez Batouana Yosso, c'est ça, la solution c'est quoi? Vous avez entendu ça? Vous avez dit ça, il y a un peuple congolais. Vous avez entendu ça? Ma poche, ma belle, il y a un peuple congolais. Vous avez dit ça là que. Bana, bakola bien. Détrompez-vous. C'est une distraction totale. Et si Kabatoubazé a besoin de la bille, vous n'êtes pas là. Vous êtes toujours ici Kabatoubazate. Et si Kabatoubazé a la bille, vous êtes là, vous êtes là. Et si Kabatoubazé a la bille, vous êtes là. Et si Kabatoubazé a la bille, vous êtes là. Moi, je me pose la question, je me dis. C'est pénible, mais bon. Ton temps là-bas, moi. Ton lobby. Depuis mandature, et tout le cas. Ton lobby, tout ça qu'on a. Mais pardon, vous avez été. Après, vous avez dit que non, vous ne contribuez pas, les journalistes, les opposants, suite, il faut proposer. Mais là, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Quand on vous interdit d'aller jouer dans le bosaco sakana bongo bongo kata vous nous dites kabino bongo parce qu'on vous dit que ce n'est pas ça gérer les pouvoirs. Quelqu'un qui vous transmet un document qui dit que non notre bon sera car après nous aussi on a disposition il y a RVA. S'il était mal intentionné, vous pensez que déjà même c'est ça même les droits, quelle était l'intention, quelle est l'intention? Si vous pensez que Moïse Katumbi a fauté la démarche. Bon, intention n'a rien. Intention, c'est un document. Il dit clairement que si on assiste sur un PS en RVA, à Gérango. C'est vrai que RVA, ils ont sous tutelle aviation civile. Bah, on est sous tutelle. Je pense qu'il y a un ministère, il y a transport en aviation civile. Et puis, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Mais du moins, je suis en train d'aider parce que si on a sali en haute, l'État, après, à ta, tu es habité bambou là. En somme, c'est les quatre mots qui nous ont ça. C'est si longtemps que Pierre Aliboso n'a pas un nom profond. La suite, c'est quoi? La suite, Katene, je pense. Chute Katene, Goutou, et Bana depuis Kabila. La suite, c'est quoi? Université, il y a Mbandaka, Avar, pour promettre qu'il y a Mbandaka. La suite, c'est quoi? Bah, tout le monde peut se dire que c'est un poids pour que vous sortez dans mon argument. Mais nous avons compliqué dans nos vies. Pour gagner quoi après? Pour que le peuple gagne quoi? Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que c'est un petit politicien. Après, vous gagnez quoi?
C'est des petits politiciens, au prochain, Après, le pouvoir gagne quoi en faisant tout ça. Vous pensez qu'en faisant ça, le peuple a l'ingi bino, en faisant ça, le peuple a bondi? Non! Il y a beaucoup de recourir, Lélo. On voit déjà vos intentions, les changements de la Constitution. Je suis revenu largement hier. Bato batala ki émission, te bota l'émission à Saki Lobby. Bota l'émission à Saki Lobby concernant comme un changement de la Constitution. J'ai profité également de passer, de rendre un hommage vivant à Moutomodi Kembe. Mais je suis l'émission à Saki Lobby, à ma comme Constitution. J'ai tout décrit. Je suis démarche dans Bango. Je commenté ce que je suis en ça là. Aujourd'hui, il y a bien un document. Ce qui se passe dans ma Kambouya. Sinon, c'est tellement. Domicile non en côté, ma Kambouya. Réhabilitation du piste d'atterrissage à Moulonde. Document à Moïse Katumbi, n'aimons pas texte. Ou soit, vous nous dites clairement que non, ma Kambouana. Ils en ont autorité, mais ils sont liés des boyers. Soyons clairs et précis. Comme ça, tu es banane à Zanani. C'est également dans votre droit. Je ne dirais pas de droit, mais ils ont un sentiment d'abinois. Si vous avez un bon salaire, faites-le. Mais quand vous dirigez, sachez qu'à chaque acte que vous pourriez poser, incidence, impact dans les années. Quel impact? Il y a aucun tabac de travaux. Au lieu de chercher même à harmoniser. L'investisseur, il y a même des Congolais capables d'investir dans leur propre pays. Mais est-ce que vous faites ça? Il y a au moins un bateau sur outil pour investir. Tel est le retour comme ça. Tel est le cambobele et le mouton lembi à Zongi. Je vous dis, le mouton lembi, c'est terrible. En tout cas, c'est terrible. Et ça se passe en République démocratique du Congo, un pays pratiquement où tout est à construire. On doit faire beaucoup d'efforts. Bazate, ils sont ailleurs. Bazo Lukandeni va conserver au détriment même du peuple congolais. Souci na bango, j'ai besoin de conserver ma peuple peu importe. Peuple ou pas, baye bineni basala makam na bango. On est de se soucier d'abord du peuple congolais. Le peuple, ce peuple qui manque tout, mais qui a tout donné. Peuple alingi, et alors que la maman oyo, alingi, atika la sen lamba, ma pèse atike lamba ne pour que moi na atteigne la classe. Et c'est ça que le peuple congolais a fait. Aujourd'hui, ce peuple se retrouve nulle part. Bato a pèsa nyonso. Bon, j'ai compassé à monnaie des singes. Bonjour, c'est à monnaie des singes. Merci beaucoup. Je pense que Toko Nabiso Nasuka, c'est peut-être là juste un petit mot, un petit message face à cette actualité. Il y a Ensemble pour la République. Il fait une appel à actualité. Voilà. Je pense. Parce que l'obi na bosana yiko lobe lango très vite en tout cas ba image on a tindé la kiyo lobi ya érosion na loja na loja tchè la biso ba illustration ana pour que na loba makambo ango il y a vraiment un grand souci. C'est vrai que na bosana yiko lobi un grand souci na loja ba alerté nga ba lobi ke ville les envoie des disparitions. Ville Lingi, ils envoient des effacements na carte mboka. C'est vrai que lobi na fleurant qui ont mouké, mais le lobi na quoi fleurant encore dans mon zinoté, na quoi fleurant mouké, mais bon, moi la bimbo ba image. Quand je vous dis que nos dirigeants sont ailleurs, s'il s'agit de Moïse Katumbi, ils sont là, très rapides, hein, prompts à réagir. Mais pour ce qui se passe dans Sankou, on a l'autre, j'ai besoin de remonter à terre. Comment ils commettent, est-ce que le peuple pleure, le peuple a roulé là. Selon en tout cas, le sommet, le régime est au courant de ça. Et il avait promis de réagir. Il avait promis de la promesse le régime. Il a accomplissement.
Vous voyez des images, hein? C'est l'inapasse, ma casse. Maintenant, il y a un témoignage, je pense que ça, on l'a été un peu tout ce qui s'en a. Il y a ma camboukala, c'est un coup, wana, kabou de bondou, au galade kara. Bah, image, en a en illustration. Maintenant, on a le, alors, très rapidement. Je veux retrouver ça, ces témoignages, parce que, hier, je dois retrouver ça, et au bout, là, je dois retrouver ça, forcément, parce que, là, je suis en train de parler, Makambo Zali, très sérieux, là. Alors, voilà, c'est ça. Les populations du Sankou en appellent à Félix Tshisekedi pour sauver la cité de Lodja menacée d'effacement. La cité de Lodja, dans la province de Sankou, ou autrefois florissante, est peuplée de 500 000 âmes, fait face à un risque sans précédent, celui d'un effacement de la carte en raison d'une érosion dévastatrice. Ce phénomène connu sous le nom de Jacob s'est manifesté il y a 20 ans, provoquant d'énormes dégâts au cœur de cette cité. Au fil des années, ces gouffres et ces glissements de terrain ont englouti près de 10 000 habitations et causé des milliers de morts, laissant la population dans une détresse continue. Ce n'est qu'en 2021, sous l'impulsion de Félix, les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, que l'espoir a été ravivé. Conscient de l'ampleur de la catastrophe, le président a instruit son gouvernement. Le président a instruit son gouvernement à prendre des mesures drastiques pour lutter contre cette érosion. Les travaux de construction des collecteurs ont alors été lancés, atténuant considérablement la dangerosité de la faille. Lors de plusieurs milliers de mètres, ces ouvrages ont rapidement redonné espoir aux habitants qui se sont réjouis de voir enfin leur souffrance prise en compte. Lors de la campagne présidentielle, Félix Tshisekedi avait également promis d'en finir définitivement avec cette menace. Il s'agissait notamment de recouvrir les restes des failles avec des remblais afin de protéger les infrastructures déjà réalisées. Mais depuis décembre 2023, rien n'a été entrepris dans ce sens. En l'absence de ces remblais, les pluies diluviennes fréquentes dans ces climats tropicaux humides ont commencé à infiltrer la structure des collecteurs, menaçant de les emporter. Cette situation fait craindre un désastre encore plus grave que celui initialement évité. Les populations, vous êtes en train de voir les images, hein, là. Les populations de Lodja, face à ces dangers imminents, lancent un cri d'alarme au président Tshisekedi. Elles demandent qu'il tienne sa promesse et intervienne rapidement avant que la catastrophe ne frappe à nouveau, cette fois de manière irréversible. Un observateur local souligne que cette région, berceau du héros national Patrice Lumumba, ne devrait pas être aussi délaissée. Selon lui, Lodja mérite une attention particulière de la part des autorités nationales. J'ai fini. Le Sankou, avec son climat propice aux pluies abondantes, est particulièrement vulnérable aux érosions. Des millions de mètres cubes d'eau s'y déversent chaque année, exacerbant les problèmes d'infrastructure si les remblais promis ne sont pas posés. La cité pourrait être rayée de la carte, provoquant une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Face à cette situation critique, les temps pressent. Les populations de Lodja espèrent que leur appel sera entendu et que des actions concrètes seront prises pour assurer leur survie et la pérennité de leur cité. Alors, c'est clair. Nega Basalaka. Centre financier, c'est-à-dire que l'Iboso, on a un chantier. On a longtemps des millions, des milliards et demi, des milliers. Arena, la même chose. Babandara pour que distribue, salima, première pierre, yoane, belle, et puis c'est fini là, sur l'année Limbongo. Je le crois bien, dans ma commande, à son cours en Bongo. Malheureusement, ça n'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver prochainement. Je suis Egramik Legan. Abonnez-vous massivement à la politique à Congo Télévision. A Autobando, Mimelarabino, Makamboyo, Ezea Solo. Ce qui se passe dans mon ambition associée à Nabisho, c'est pourquoi Combo a chaîne politique à Congo Télévision. Abonnez-vous très massivement. On se retrouve prochainement. Je suis Egramik Legan. Aimez. Belle mission est partagée. Je suis Egramik Legan, qui est le Dieu de toutes les inspirations. Continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.